Eh bien, ça fait longtemps. Salut tout le monde, c'est Corbel, j'espère que vous allez bien. Bienvenue! Bienvenue ce soir pour un nouveau live. Ça fait super plaisir de vous retrouver. Après la fin de Callisto Protocol en fin d'année 2022 et puis un mois d'absence pour le mois de janvier, nous sommes en début février et je reprends les lives. Donc bonne année! Il me semble que je ne l'avais pas dit sur la chaîne avant. Donc bonne année 2023. J'espère que cette nouvelle année vous amènera beaucoup de bonheur. Et du coup, bienvenue pour la suite de notre Let's Play sur God of War Ragnarok. Et je remercie bien évidemment Josie qui a follow le live il y a 5 heures, la chaîne Twitch. Donc, je me suis refait les derniers épisodes pour me remettre dans le bain. Je pense qu'il me faudra peut-être un petit temps d'adaptation pour le gameplay. Mais du coup, on va continuer God of War. Et puis, il me faudra peut-être un petit peu de temps aussi pour me rappeler de ce qu'on a acheté dans les forges et puis notre équipement. Mais du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur God of War jusqu'à le terminer, du coup. Maxime qui vient d'arriver dans le chat. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Qui nous dit coucou, ça va? Eh ben écoute, moi ça va nickel. Ça fait super plaisir d'être de retour et puis on va se lancer dans un live tranquille là pour continuer God of War. Et qui nous dit, en même temps que tu fais ton live, je vais lire quelques articles sur la branche allemande de la Fondation SCP. Ben écoute, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir pendant le live. Tu peux garder le live en fond. J'espère que je ne te dérangerai pas trop dans ta lecture. Du coup, on avait libéré Freya de son joug Regardez, déposé par là-bas. Odin. On peut prendre ce chemin pour rentrer au camp. Je peux t'aider avec ces ronces. Et elle a décidé de nous laisser en vie. Plonge tes lames dans ces ronces luisantes et embrase-les. Ton frère semble enclin à ton retour. Oh, je suis sûre qu'il serait ravi que tout redevienne comme avant, pour me déléguer toutes les responsabilités du pouvoir. Et puis on avait laissé Brock au campement, si je me souviens bien. Donc maintenant, on va simplement retourner au campement. Et puis, retrouver le frère de Freya. Et puis, je sais pas, sûrement qu'après, on ira retrouver notre fils. En tout cas, je suis clairement très impatient de voir comment l'histoire de ce jeu va se continuer parce que depuis le début de l'aventure, je trouve très intéressant tout ce qui se passe. Tirer des flèches sur des ennemis en feu ou gelés avec carré pour déclencher des explosions. Ah, ok. Oh. Ok, faut que je me refasse au gameplay. Oula. Laisse-moi tranquille. De ma part. Je sais que tu as senti ta colère. Eh bien,
On apprend à se débrouiller avec ce qu'on a. Ça fait une sorte d'explosion, c'était peut-être pour se battre. Mais ouais, faut que je retrouve un peu les touches. J'ai un peu confondu l'esquive avec le X et le rond et tout, mais ça reviendra progressivement, ne vous inquiétez pas. Arcraft qui vient d'arriver, ça fait plaisir de te revoir dans le chat. Sois le bienvenu. Je ne tiens pas particulièrement à être en colère contre Frayeur. C'est mon frère. La moitié de ma vie, hein. Il a été... Elle doit vraiment faire comme ça. Ok. On est vraiment obligé de faire comme ça. On peut pas juste le frapper en fait. Ah, et puis je tenais aussi à m'excuser évidemment pour l'épisode précédent. Quel con j'ai fait, n'empêche. Attendez. Ah voilà. Mais... c'est compliqué ça, comment on fait pour les geler les deux en même temps? Et du coup je disais, quel con j'ai fait quand même, parce que j'ai commencé l'épisode précédent en disant, j'ai même pas fait 3-4 secondes entre les deux épisodes, et du coup ben ça a pas manqué, ça a fait que j'ai été négligent, et puis que j'ai mal lancé l'épisode, et du coup c'est pour ça que dans l'épisode précédent vous avez eu la rediff directe de Twitch, qui était en un peu moins bonne qualité. Tentons d'utiliser un saut. Utilisez les flèches. Voilà, le saut devrait maintenir le gel. Ah, d'accord. Au travail. Donc là, même si je reprends, ok, on peut maintenir un gel avec la flèche. D'accord. Oh putain! Ah d'accord, c'est pas indéfini. Enfin, c'est pas indéfiniment. Bon, on va attendre que ça se défasse. Ah, j'ai entendu mon téléphone sonner. Je vais juste couper le son du téléphone. Voilà. Attendez, je dois juste régler un petit truc. C'est les aléas du direct. J'arrive de suite, les amis. J'avais oublié de faire un paramètre sur le live. Et voilà, tout est réglé. Bon. Je vois quelque chose. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle a dit qu'elle voyait quelque chose. Qu'est-ce que tu vois? Non, je pense que... je pense qu'elle voyait juste les ronces, mais elle a pas... elle s'est pas arrêtée quand je les ai détruites. Attention, des feux follets. De puissantes manifestations de magie runique. Ok. Et c'est quoi, donc? Oh, putain. Ah, c'est des ennemis. Ok, d'accord. Ils sont insensibles aux attaques physiques. Mes flèches peuvent perturber leur sort de protection. Ok. D'accord. Et on peut récupérer ces lettres par terre? Non, apparemment pas. Donc ça doit être des sortes d'esprits de la forêt.
Ah, ça m'intriguait. Je sais pas quel est mon. Il faut juste que je retourne voir parce que j'ai complètement oublié quelle était mon attaque runique neutre avec le rond. Où est-ce qu'on voit ça? Ah, voilà, c'est ça. Lancer deux charcams de Bifrost qui traquent les ennemis. Ok. Donc ça envoie des projectiles sur les ennemis. Ok, ça marche. Et puis je tiens à souligner qu'on a toujours. On n'a toujours pas de grosse attaque runique. Oh putain! Flo qui lance un raid avec un groupe de 4 personnes. Merci beaucoup Flo, ça fait super plaisir. Merci énormément. T'as fini ton live? J'étais venu sur ton live avant, mais je pensais pas que tu le finirais autant vite. Ou bien tu ne fais que passer. En tout cas, merci beaucoup. Skull et Atis sont à Vanaheim? Nous avons appris que les géants les avaient sauvés d'Odin et amenés ici. Regarde. La lumière du soleil réveille les racines. Vois comme elles s'étendent pour accueillir le soleil. C'est beau, non? On est loin du manteau blanc auquel j'ai dû m'habituer à Midgard. Bon, Midgard, c'était pas si moche que ça, mais c'est vrai que là. C'est exactement comme dans mon souvenir. C'est vrai que là, c'est magnifique, au moins, hein. Une partie du royaume échappe aux prédateurs et aux envahisseurs. On se croirait dans Uncharted 4. Il reste une raison de se battre ici. Quelque chose à défendre, malgré tout le mal qui a été fait. Oh, mais regardez, il y a. C'est peut-être vrai pour Il y a des aussi. animaux là en bas. Ils migrent vers un monde meilleur. Flo qui dit coucou Cormel, comment ça se passe pour le moment de ton stream? Bah écoute, ça se passe super, et puis depuis le raid, ça se passe encore mieux, putain, t'amènes du monde. Merci encore, putain, ça fait trop plaisir. Mais on vient de le lancer, là, il y a vraiment 2-3 minutes, donc ça vient de commencer. Et évidemment, vu qu'on joue à God of War, ça va forcément bien, hein. Oula, je l'avais pas vu, lui. Faut faire gaffe, hein, la flore est pas super gentille dans ce jeu. On ne pourra pas les endommager sans couvrir la mer. On dirait Ah, d'accord. tu ne peux pas la Je peux rater. rien faire tant que j'ai pas buté la maman. Ok. Putain, et Flo qui s'est pris un abonnement de niveau 1, c'est son 8e mois d'abonnement, dont 3 mois consécutifs. Et Flo qui dit allez 7 mois déjà. Eh ben du coup c'est ton 8e. Ben putain, merci beaucoup Flo. Ça fait trop plaisir. Waouh. On vient de lancer le live. On vient de lancer le live après un mois d'absence. On commence l'année 2023 et bim, déjà un abonnement de Flo. Ça commence bien. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Bon par contre, qu'est-ce que je dois faire là? Comment je. Je vois quelque chose. Peut-être que je dois me prendre de la hauteur. Elle essaye de me tirer dessus, hein. Qu'est-ce que c'est? Je l'ignore. Mais c'est clairement l'œuvre des géants. Deux loups sont représentés ici. Il y a Où peut-être un ça? lien avec nos amis célestes. Un mystère à résoudre plus tard. La fontaine de Jouvence? Tu veux en boire une gorgée? Ah, ok. Il fallait du feu. Comme dans Pokémon, hein, le type feu bat le type plante. Mais putain, en tout cas, tu nous régales, Flo, hein. Merci pour l'abonnement et pour le raid. T'as fait ta bonne action de la journée, ça je peux te le garantir. Putain, mais regardez-moi ces décors, quoi. Vraiment. Vraiment, ce jeu est une claque sur PS5. Oh, mais c'est pas vrai. Et Flo qui offre un abonnement de niveau 1 à la communauté de Corbel.
Et l'abonnement est donc offert à Maxime Lizet. Merci Flo pour le cadeau. Et je pense que ça fera plaisir également à Maxime. Les sauts peuvent percer leurs boucliers. D'accord. Ok, donc ils peuvent avoir des boucliers, et puis il n'y a que ces flèches qui peuvent les désactiver. Ah, je m'en lasserai pas. Hein. Je ne m'en lasserai pas. Et... va dans le ravin, toi. Voilà. Où est ta pote? Oh, putain. Non. Où ça? Ah, là-haut. Ici. Allez, rejoins ton pote. C'est le puits des condamnés. Ah putain, mais j'ai presque plus de vie. Ouh là 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 là. Je m'étais pas rendu compte de ça. Où est-ce qu'il y a du monde? Ah, je l'ai échappé belle là, j'avais pas fait gaffe à ma vie. Et ça a failli me, bah, de coup me la coûter. Me coûter la vie tout simplement. Il s'est passé tant de choses depuis que j'ai vu Freyer. Je ne sais même pas par quoi commencer. Que veux-tu de lui? Des excuses pour commencer. Je veux lui pardonner. J'aimerais croire qu'il a changé. Il est tout ce qu'il me reste. T'es-tu jamais excusé auprès de Deimos? Il est difficile de demander le pardon lorsqu'on s'en juge indigne. Ah, on arrive au campement. Comment pourrait-on traverser ? Ah non, c'est pas par là. Ah, j'avais l'impression que c'était le campement. C'est aussi dans une sorte d'endroit un peu couvert. Maxime qui dit « Je vais manger ». Eh bien, pas de souci, Maxime. Bon appétit. Utilisez plusieurs sauts pour enchaîner les éléments jusqu'à des points difficiles à atteindre. Leur taille et leur lueur augmentent lorsqu'ils sont liés. Les flèches sigillaires peuvent sûrement atteindre et enflammer les ronces. Ouh là là, ça devient compliqué ça. Alors, de quoi tu parles? Donc, si je fais ça et ça, c'est ça que tu veux dire? Non? Ah oui, voilà. Ah, d'accord. Attendez. Donc, ça veut dire que je peux lier ici à ça. Mais attendez, si je fais ça. Tac. Non. Est-ce que je fais... tac. Mais attendez, apposer des sauts sur des ronces et des objets de la rivière. Les sauts sont plus lumineux et plus grands lorsqu'ils sont liés. Donc là, est-ce que je peux les choper direct? Non. Alors, si je fais ça... tac. Ah non. Mais attendez. Je comprends pas trop le principe, là. Parce que... là, si je fais ça... en plus, il y a un logo, là. Je fais ça, c'est lié avec ça. Et là, je peux lier avec ça, aussi. Ah, merde, c'est plus lié, là. Donc, attendez. Hop. Et donc, là, si je fais ça...
Ah ouais, ça fait une réaction en chaîne, ok. Un petit puissant, même quand il n'est pas mérité. Faye, mon épouse, me l'a dit. D'accord. C'est comme ça que ça marche. Je suis heureux d'avoir de bons souvenirs avec ton épouse. Putain, y a du monde par ici. Oula. Laissez-moi tranquille. C'est pratique de les balancer dans le vide, n'empêche, hein. C'est quand même vachement pratique. Tu veux qu'on aille là, du coup ? Tout ce que m'a appris mon ancienne moitié, c'est qu'il n'y a pas de limite aux abysses dans lesquels une âme puisse sombrer. Il m'a poussé à l'épouser pour sauver mon royaume, mais il l'a détruit tout de même. Donc elle parle d'Odin, hein, c'est juste. Peut-être est-il temps que quelqu'un s'oppose à lui. Peut-être est-il temps que la prophétie de Groa se réalise. Je n'encouragerai pas la guerre. La guerre est effroyable, Kratos. Mais certaines choses sont pires. Si Atreus se précipite vers le Ragnarok, tu ne pourras peut-être pas l'arrêter. Je le ferai. Et si tu échoues ? Je l'ai préparé à survivre sans moi, s'il le faut. Attends, voir. Il faut que je trouve la source. Ah, là. Mais attends, attends, il veut me tirer dessus, lui. Prends garde aux plantes. Elles m'apprécient, moi, mais ça les aide. Oui, je vois. Je crois que c'est bon. Yes! Putain, ça c'est bien joué ça. Ah, c'est sympa comme mécanique, j'aime bien. Pour des énigmes, c'est une bonne idée. C'est vraiment sympa comme endroit. On pourrait en faire une course de Mario Kart, hein, de ce tunnel. Je verrais bien ça dans Mario Kart. Et ça, tu peux rien faire ? Ah non. Ça non plus. Que feras-tu ensuite, si tu ne prépares pas la guerre ? Je ne sais pas, mais je ne laisserai pas Atreus courir de risques. Tu dois te décider rapidement, avant que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. Ah, serait-on déjà passé par là, vu qu'il y a un coffre ouvert ? Peut-être en sortant du... En sortant du campement. Prête. Plus que jamais.
J'y arrive pas à le croire. T'es de retour, enfin! Oui. Fais-t'en ça. Tu vas reprendre le trône. On va tout rebâtir. Toi et moi face au monde, hein? Comme au bon vieux temps. Je ne reste pas. Je comprends pas. Tu es ici. Ensemble, on peut reprendre ce qui nous appartient. J'ai seulement repris ce qui était à moi. J'ai encore beaucoup à faire. Tu as vu ce qui reste du royaume, non? Comptons-nous aussi peu à tes yeux? Tu doutes de ma loyauté? Vanaheim m'a tourné le dos à moi. Oh, tu nourris encore cette vieille rancune. Il était de mon devoir de sauver autant de nos sujets que possible. Une responsabilité que tu n'as pas prise au sérieux, alors. Et à ce que je vois, cela n'a pas changé. Tu crois que tout cela m'amuse? Nous avons tout perdu à cause de ce fou que tu appelais ton époux. La famille de cet homme m'a brûlé vif! Comment voulais-tu que je réagisse? Comme mon frère! Comme le garçon qui était là pour moi, quoi qu'il arrive! Et celui que j'ai toujours soutenu, même lorsque ses choix étaient égoïstes. J'espérais que tu viendrais me chercher. Que malgré la peine et la colère, tu ne m'aurais pas abandonné quand j'avais le plus besoin de toi. Freya, je t'en prie, je te croyais morte. J'ai dû vivre mille vies avec les paroles horribles que je t'ai laissées. Imagines-tu ce que c'est que de savoir que ton égoïsme a nui à la personne que tu aimes le plus? T'abandonner? Oh, Freya, je t'ai pleuré. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, mon fils. Mais non, je ne me lierai pas à un autre royaume alors que je suis enfin libre. Je t'enverrai de l'aide. Et je reviendrai. C'est promis. Tu n'es plus chez toi depuis longtemps ici. Fais ce que tu dois faire. Allez, c'est bon, ça suffit. Vous n'avez rien de mieux à faire que de les regarder laver leur linge sale en famille. Venez, vous deux. Pas toi. J'ai deux, trois trucs à voir avec vous tous. Primo, tu récupères ta tête parlante. C'est vrai qu'on l'avait laissé aussi, Mimir. C'est de la magie sigillaire que je sens sur ton arc. C'est une idée que je vais te piquer. Qu'est-ce que tu dirais d'un peu de magie sonique? On fait un échange? Très bien. Et Tertio, si vous prévoyez pas de rester, je tiens à préciser que Sindri et moi, on se retrouve à tenir un refuge pour Dieu déchu. Quand vous aurez fini de vous geler les miches à Midgard, ramenez-vous avec Barbiche et venez dire bonjour à votre copain Tyr. C'est très aimable, Brock. J'y réfléchirai. Bon, allez, là-dessus. Je vous retrouve à la maison. À
À moins que vous vouliez que je vous bricole un truc avant. Mon frère, veux-tu rencontrer nos nouveaux alliés ou pouvons-nous y aller ? Je pense qu'on va d'abord récupérer les matériaux dans ce coffre. Ensuite, on va aller voir dans la forge, voir ce que c'est cette quête secondaire aussi. Et après, on va parler avec les gens. Et du coup, J'étais brisé lorsqu'il m'a trouvé. La vérité qui régissait ma vie n'était finalement qu'un mensonge. Oh là là, c'est quoi ça? C'est un chien? C'est un cochon? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le seigneur des secondes chances. Il m'a sauvé. M'a donné une famille. Un but. Je mourrais volontiers pour les deux. Merci. Elle a l'air folle son épée. Il se la joue à la Guts dans Berserk. Mais du coup, je pense que... Ah putain, mais laissez-moi parler, s'il vous plaît. Au milieu de la jungle. Sans doute échappé de l'élevage de Blue Thunder, nord d'ici. Nous lui avons tous dit qu'elle ne survivrait pas, mais il a refusé de l'abandonner. Elle a guéri, et elle ne nous a plus jamais quittés. C'est une gentille fille. Elle a le cœur pur. Elle croit en la bonté des gens, même lorsqu'eux n'y croient plus. J'allais dire, justement, allez, je... Salut à vous! Si vous tendez l'oreille, j'ouvrirai la bouche. Bon, je crois que je vais plus bouger. Je vais plus bouger, ça me permettra de parler, parce que à chaque fois que j'essaye de dire un truc, il y en a un qui l'ouvre. Du coup, je pense que Brock peut-être était sarcastique quand il nous invitait à aller chez lui, parce qu'il doit sûrement en avoir ras le cul de faire un peu l'auberge chez lui dans l'arbre monde. Qu'y a-t-il ? Ah, j'ai passé pas mal de temps à farfouiller dans le delta de la rivière. Quand l'armée d'Odin a débarqué, j'ai filé ici plus vite qu'un Tazelwurm avec le feu aux fesses. J'étais si pressé que j'ai accidentellement perdu quelques indispensables. Des indispensables? Enfin, surtout un, en réalité. Un orbe. Je te serais infiniment reconnaissante si tu le retrouvais. Qu'est-ce que c'est? Et si par hasard, tu tombais sur des pièces de ma bonne vieille armure rouillée, je m'en servirais pour te bricoler quelque chose de très spécial, rien que pour toi. Quel est cet orbe? Contente-toi de me le rapporter et tu illumineras ma journée. Ok. Oh, et n'oublie pas de guetter les pièces de ma vieille armure. Je la retaperai pour toi, et gratuitement. Quel est cet orbe que nous recherchons, mon frère? Je n'en sais rien. Ouais, elle a pas voulu répondre. Alors, du coup, on va un peu se retrouver là-dedans pour voir où nous en étions. Alors déjà, l'âge de Léviathan, on peut l'améliorer. Prends en soin et elle te sauvera la vie. Ensuite, la poignée. Donc la poignée qu'on a maintenant, elle a 18 de force et une chance élevée d'obtenir un don de force à chaque élimination. Ok. Ah, saisir un ennemi étourdi. Donc, faire une exécution, ça permet de renouveler son attaque unique plus vite. Et une onde percutante à la fin du combo de la hache. Ah, ok. Franchement, c'est bien ça. Hein. Le pommeau de la tailleuse de pierre. Qui fait une onde de choc quand on fait un combo avec R1. Vas-y, je pense que je vais me le prendre. C'est pas mal. Ensuite, les lames du chaos, on peut les améliorer aussi. Toi, tu m'as toujours pas dit qui avait fait ces choses. Et là, on a à coup de lame, chance d'obtenir une augmentation de force et de pouvoir runique. Ah, je pense que c'est les esquives avant et arrière et attaquer qui sont plus fortes. Et
Saisir un ennemi étourdi, confère un don de force. Exécuter, confère un don de force, en fait. Force 11, 13, 8, 9. Franchement, je vais prendre ça, hein. Saisir un ennemi étourdi, confère un don de force. C'est pas mal. Ensuite, le bouclier. Donc là, on a notre bouclier actuel. Qui... Ah oui, qui... Qui envoie un truc à force de se protéger. Ouais, je pense qu'on va garder celui qu'on a. Hein. Il est pas mal. Ensuite, l'armure. Ah, attendez. Ressources insuffisantes. Ah, je pense que c'est ça qu'elle pourrait me fabriquer, en fait. Et là, il y a ça que je pourrais me fabriquer. Les dégâts au corps à corps augmentent en fonction de sa rage. Les dégâts subis, qui seraient normalement mortels, sont absorbés par la rage. Ah oui, ça c'était génial, ça. Ça c'est génial. Je pense que ça m'a d'ailleurs sauvé la vie avant, hein, au début de l'épisode. Bah ça, on va améliorer, hein. La vache, je suis bon ou pas? C'est très bien. Attendez. Donc là, on a chance d'obtenir un accès de rage en cas de dégâts subis. On peut fabriquer ça, qui fait que les attaques au corps à corps ont une chance faible de restaurer une partie du renouvellement des attaques runiques de l'arme équipée. Ça peut être pas mal. Et ça, on peut pas l'avoir. Eh, franchement, le... Celui-là, il a l'air cool, hein. Franchement, je pense que on va faire ça. Parfait. Et puis là, on a une chance d'obtenir un excès de rage en cas de dégâts subis. Et on peut fabriquer. Les attaques au corps à corps ont une chance faible de restaurer une partie. Ah bah c'est la même que l'autre. Bah on va prendre aussi celui-là du coup, hein. Comme ça, on a l'ensemble. On a l'ensemble et le renouvellement, il est à 20%. Ok, armure, on est pas mal. C'est quoi ça? Enchantement. Ensemble d'enchantement de Vanaheim. Augmente 50% de la résistance à l'aveuglement et à l'hébétement. Ok. Ah, mais est-ce que les enchantements, c'est pas un truc que j'ai sur moi, là? Actuellement? C'est ça. Ah oui, je crois que c'est ça. Là, j'ai l'endurance de Midgard. Comment je fais déjà pour en découvrir des nouvelles? Parce qu'ils sont brisés. Augmente les dégâts de toutes les attaques de capacité à distance. Donc là, je peux acheter des enchantements. On va voir ce qu'on peut faire. Ah, chance, défense... Ou résistance à l'aveuglement. Ça, je m'en fous. La défense, c'est une bonne idée, ça. Hein. On va prendre la défense.
Donc là, si je vais là. Il n'y a pas aide. Non, ça c'est aide aux statistiques. Ah merde, je sais pas trop. Bon. Ah, donc ça c'est Nilfheim, mais ça c'est Midgard. Ok. Donc là je peux le mettre là. Voilà. Il n'y a pas un truc avec les. Viens si tu veux d'autres trucs. Avec les tutoriels là. Connaissance, bestiaire, leçon. Y a pas enchantement quelque part. Combat d'Atreus, transport, atelier, compagnon, arme, état, combat, parcours. Non, je vois pas, hein. Il n'y a pas les enchantements. Non, il n'y a pas. Ok. Maxime qui est de retour, salut à toi. Un besoin spécial? Relique. Ça, c'est pour mettre sur les armes, Et peut-être. pour Dame Accessoires. Freya? Mais ça, c'est quoi? Tu as fait Attendez, mais ton c'est aussi des choix? trucs que j'aime. Je me souviens plus du tout de tout ça, hein. Je suis désolé si c'est. Je suis désolé si c'est des trucs qu'on a déjà vus, hein, mais. Là, apparemment, simplement un mois d'absence, ça m'a. Qu'est-ce qu'il te faut? Ça m'a vraiment desservi, hein. Ressources. Bon, là, les pierres de résurrection. Ah, je peux prendre une supérieure. Ok. Bah, quand on aura utilisé la simple, on achètera une supérieure. Ensuite, Maintenant, accessoires. passons à la déesse. Mais ça, c'est quoi? C'est. Qu'est-ce que ce sera? Ça, c'est quoi? C'est juste des. Qu'est-ce qu'il te faut? C'est juste Donc, des. tu voulais. C'était pas les trucs qu'on donnait à Atreus, ça? Non, attendez. Je sais plus où est-ce qu'on mettait ça. Ah, relique! Ah, ok! Donc une relique, c'est l'attaque. C'est l'attaque runique avec le cercle. Ok. Bien Donc là, fait. actuellement, on envoie deux. Eh ben, On quand tu envoie veux. deux trucs. De projectiles. Edith Piaf qui dit j'ai un pote qui est traumatisé par le Schwitzeltutsch. Bah, ça m'étonne pas. Du coup, bah bienvenue à toi. Installe-toi bien dans le chat, ça fait plaisir de te revoir présent sur le live. Projeter trois ondes de lumière qui infligent des dégâts renforcés aux ennemis affectés par la magie sonique. Ah. Donc en fait, il faut qu'il soit déjà affecté par la magie sonique avant d'envoyer les. Ouais, non. Et puis de toute façon, on peut pas le fabriquer, ce machin. Qu'est-ce qu'on fait pour la sorcière des bois? Et ça, ça par Tu sais contre, ce que tu les veux? accessoires, je sais pas ce que c'est, hein. Quoi? Les accessoires, on n'a pas accès quelque part non plus? Là, il y a les reliques. Amulettes. Non, il n'y a pas accessoires. C'est bon, j'avais rien de mieux à faire. Mais il me semblait que ça c'était avec. Ça c'était peut-être avec. C'était peut-être avec Alors, tu as Atreus. fait ton choix. Ouais, c'est pas là, hein. Et pour Dame Freya? Parce que là,
Les attaques au corps à corps contre un ennemi affecté par la magie sonique infligent considérablement plus de dégâts d'étourdissement. Ouais, mais ça, c'est... Je me souviens qu'il y avait un endroit où on affectait ça. Mais je me souviens plus où c'était. Bon, tu me casses les couilles à toujours parler, là. C'est... Ça me tend. Attendez. Ah mais j'ai 8000, attendez, je peux pas améliorer ma rage spartiate. Oui, je peux l'améliorer. C'est beau ça. Non. Bon alors dans le doute, je vais pas acheter Qu'est-ce que ce sera ? Je vais pas acheter ces accessoires parce que je me souviens pas. Je me souviens pas où c'est que ça se passe pour les gérer en fait. Mais ça me dérange. Et c'est peut-être quand on est avec Atreus en fait. Hein. Ah mais je peux vendre des trucs du coup. Artefacts, équipement, voilà, je peux vendre tout ça en fait. Ok, bon alors on va vendre tout ça. Ça fera un joli fourbi. J'ajouterai ça à la pile. Et les ressources, ça on va garder. Quoi ? C'était juste pour voir. Devrait-on lui demander ? Ne sois pas impoli. En quoi est-ce impoli de demander de l'aide ? Bigvir, mon amour, concentre-toi sur ta tâche. Ce presse devrait être plus serré. Ah, ils ont l'air marrants, ceux-là. Starliven qui vient d'arriver dans le chat, ça fait super plaisir de te retrouver, bienvenue. Installe-toi bien. Edith Piaf qui demande, et tu penses quoi du Suisse italien ? Je savais même pas que ça existait, et je doute que ça existe. Starliven qui demande, ça va ? Écoute, ça va, nickel. Votre alliance est inhabituelle. Ce que Kratos essaie de dire, c'est qu'il n'a jamais vu un elfe blanc et une elfe noire travailler main dans la main. C'est une vision charmante. Et un jour, espérons-le, une vision ordinaire. Mimir m'a dit que tu étais une sorte d'aventurier. Et si tu venais à te rendre jusqu'au sable défendu à Alfheim... Un territoire contesté, au-delà des terres brûlées. Les rumeurs mentionnent un sanctuaire et des artefacts que nos anciens veulent nous cacher. Tout ce qui peut lever le voile sur notre histoire effacée ne peut qu'être bénéfique à toi, Alfheim. Dévoiler une histoire secrète ? Voilà une aventure pour moi. La découverte de l'ascendance commune des elfes est ce qui nous a rapprochés. Mais les récits sur Alfheim avant la division entre les elfes noirs et blancs sont proscrits. Ça ne t'a pourtant pas empêché d'en parler. C'est comme ça que tu as fini en prison. Où nous nous sommes rencontrés. Ennemis l'un de l'autre naturellement, mais c'est en amis que nous avons fui. Enfin, plus que... Tu peux arrêter de parler ? Bien. Bonne chance. Ok, donc on pourrait en apprendre plus sur pourquoi les elfes blancs et les elfes noirs se battent. Est-ce que la lumière me manque, tu veux dire ? Alors ? Pour tout te dire, je ressens encore son attrait. Lorsqu'on en est proche, on ne souhaite rien d'autre. Et dès qu'on s'en éloigne, on se languit de pouvoir à nouveau boire à sa source. Malgré cela, la lumière ne prépare pas de bons repas. Elle ne joue pas de musique, ne raconte pas de blagues et n'éveille pas à de nouvelles expériences. Elle fait tourner en rond. Plus je me tiens loin d'elle, plus je la vois pour ce qu'elle est vraiment. Et aujourd'hui, je n'en ai plus besoin. J'apprécie ton honnêteté. Ouais, on aurait presque pensé qu'il puisse parler de drogue, en fait. Ah, si la lumière me manque. Bien sûr, je te demande pardon. Alors décharge, mon amour. Tu n'es habituellement pas la plus... loquace. Je parlerai. Dès la naissance, on nous enseigne que seul importe la lumière. D'après les anciens, c'est pour elle que nous nous battons. Mais tout ça... c'est des conneries. Je ne me résume pas à la colonie. Je ne suis pas qu'un soldat.
Elfes blancs, elfes noirs, ils sont tous pareils. Bornés ! De vulgaires insectes aveuglés par leur lumière. J'ai eu plus de jugement. J'ai arpenté les ténèbres et j'y ai trouvé mon pain. Vous voyez. Ici. C'est tout ce que j'ai à dire. Charmant. À présent, laissez-nous. Merci de t'être confié. Sandrine qui dit il y a deux cantons en Suisse qui parlent italien. Nous aurons l'occasion de nous entretenir, Mimir. J'ai toujours plaisir à rencontrer d'autres érudits. Quant à toi, Kratos, ton pays natal n'est-il pas célèbre pour ses philosophes? Quand la situation le permettra, j'aimerais entendre leurs idées, ainsi que les tiennes. Je n'ai rien à dire qui puisse t'intéresser. Absurde, mon frère. J'ai entendu bien des sages paroles franchir ses lèvres tannées. Tout va bien, Mimir. Ma femme est également... Attention à toi. Réservé, mais des plus avisés. Tu t'en sors bien. Même à la folie. Je les aime bien, ces deux. Je les aime bien. Oui, donc oui, Sandrine, il y a probablement deux, je sais pas si c'est exactement deux, mais cantons en Suisse qui parlent italien, mais ce que je voulais dire par là, c'est que... je doute que ça soit un dialecte italien spécifique à la Suisse, vous voyez. Parce que l'allemand, il y a le suisse allemand. Mais je doute qu'il y ait du suisse italien. Vous voyez, je pense que c'est juste de l'italien classique, en fait. Est-ce que son frère veut nous dire quelque chose ? Je sais pas en quoi tu l'as aidé, mais je suis content que ça ait marché. J'ai encore du mal à te cerner, mais tant qu'elle pourra compter sur toi, tu pourras compter sur moi. Ah, c'est cool. Bah merci, j'imagine. Donc à vous on a parlé, on a parlé à tout le monde en fait. Donc comment ça se passe ces quêtes secondaires alors ? Ah voilà, trouver l'orbe et le sanctuaire elfique. Donc ça c'est à Alfheim. Mais l'orbe, ça marche comment? Suivre. Ah c'est plus loin. D'accord. Je sais où nous pouvons trouver un point d'accès. Par ici. Dites, vous semblez bien vous entendre depuis la fin de votre mission. J'ose espérer que cette alliance est là pour durer, finalement. J'estime que nous avons un ennemi commun. Kratos, tu refuses peut-être d'accepter la fatalité du Ragnarok, mais tu n'es pas assez naïf pour ignorer la menace d'Odin. Quoi qu'il arrive, notre meilleure chance de survivre est de nous allier. Tu es d'accord? Oui. Quant à l'offre de Brock, peux-tu concevoir de cohabiter avec un duo d'anciens ennemis? Tu ne seras plus tenté d'exercer ta vengeance? Pas contre toi. Aucun de vous deux. Je vous le promets. Ça fait plaisir. Freya se joint officiellement à nous. L'alliance avec Freya débloque de nouveaux équipements et un arbre de compétences unique, usé de flèches soniques sigillaires pour aborder combats et énigmes sous un nouvel angle. Ben parfait. Ah, voilà, on a Freya. Amélioration de combat. Oui, bon, ça, on était au courant, du coup. Ah, voilà, on peut voir son armure et ses compétences. Donc, elle a 2000 XP. Freya peut faire pousser des ronces sur les ennemis afin de les immobiliser. Les ronces de Freya affectent les ennemis plus longtemps, ça c'est bien. Freya peut invoquer des ronces qui saisissent un ennemi à terre et libèrent un nuage de poison.
Ah oui, mais ça, c'est s'il est à terre, hein. Ok. Les ronces de Freya emprisonnent les ennemis immobilisés. Donc, comment ça immobiliser? Donc, s'ils prennent un coup, j'imagine. Les flèches runiques infligent des dégâts d'état supplémentaires. Ça peut être intéressant. Freya prend la forme de Valkyrie pour lacérer les ennemis. Ah, ça, c'est cool. Élargit la zone d'effet des explosions marquées, déclenchées par les flèches de Freya. Élargit la zone d'effet des explosions soniques. Ok, ça, c'est cool. Et je pense qu'on est bon. En ce qui concerne son armure. Ah, je peux choisir. Je peux choisir son visuel, mais du coup, ça change pas. Ça change pas ses stats. Franchement, honnêtement, celle-là, je trouve que c'est la plus stylée. Partir à la guerre. Ah, bah voilà, c'est ça. Donc c'est notre personnage secondaire qui a les aptitudes avec les accessoires là. Ok. Et son épée, c'est une épée. Et ça, l'invocation runique. Je ne peux pas l'améliorer. Ah bah c'est avec son XP. Ok. Par contre, je peux pas faire demi-tour là. Retournez chez Sindri quand vous serez prêt. Ok. Alors moi, j'ai envie de retourner chez Brock. Pour voir un peu ce qu'on peut avoir au niveau des accessoires qu'on peut donner à Freya. Ah, ça me soulage qu'on puisse gérer ça parce que je comprenais pas, hein, je vous jure, ça me troublait. Lunda, saurais-tu comment tes amis elfes noirs et blancs sont venus à se fréquenter? Tu veux parler de Bigvir et Beyla? Les deux étaient prisonniers d'un camp ou de l'autre, ou bien des deux. Bref. Ils ont fui ensemble et ne se sont pas lâchés depuis qu'ils sont en cavale. Deux elfes noirs et blancs qui fuient ensemble leur peuple, c'est risqué. L'amour est toujours risqué, c'est ce qui en fait le sel. C'est ce que je dis toujours d'une bonne fondue. Ok. Donc, je pense que ce qu'on va utiliser déjà, c'est quand une invocation runique est en cours de renouvellement, augmente énormément l'état appliqué par les flèches. Donc ça, c'est un qu'on va utiliser. Ensuite, je pense que la première flèche runique d'un carquois plein inflige nettement plus de dégâts. Ça, on peut aussi l'utiliser. Et j'hésite, je comprends pas la différence entre les flèches sigillaires infligent plus de dégâts d'état et les flèches sigillaires infligent considérablement plus de dégâts d'effet. Ça change rien. Ah mais là c'est inflige plus et là considérablement plus. Ok. Donc celui-là et celui-là. Donc on va l'améliorer. Et Qu'est-ce que voilà. ce sera? Et du coup maintenant on peut la signer. Donc la première flèche runique, l'invocation,
Merde, j'ai perdu l'autre. C'est lequel l'autre? Je dois l'acheter? Qu'est-ce qu'on fait pour la sorcière des bois? Considérablement. L'harmonie sonique. L'harmonie sonique. C'est ça? Ah, ils ont changé la description. Quand on est dans la forge, c'est marqué considérablement, et là, c'est marqué nettement. Ok. Bon, bah alors, utilisons-le. Tac. Et voilà. On est bien comme ça. Bon, je crois qu'on arrive gentiment au bout de l'heure, hein, mine de rien. Ouais, on a dépassé l'heure. Du coup, on va gentiment s'arrêter là pour ce premier épisode de la soirée. Bon, c'est vraiment l'épisode où on est revenu au camp et on a repris nos marques, hein. Donc désolé si cet épisode était un peu plus mou du fait que je reprends mes marques, mais voilà, comme ça on est bon pour la suite, et de toute façon là on va plus lâcher God of War jusqu'à ce qu'on le finit, donc je ne perdrai plus normalement mes marques sur le jeu. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu, merci beaucoup de l'avoir regardé, merci à tous d'être là sur le live, je vois que vous êtes 6 à regarder actuellement le live, donc ça me fait super plaisir de vous avoir présent ce soir. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et sur Twitch pour être au courant des prochains lives et des prochaines vidéos que je ferai. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour dans la description pour visiter les liens qui vous intéressent concernant ma chaîne et les soutiens que vous pouvez m'apporter. Dans tous les cas, moi, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de cette aventure sur God of War Ragnarok. C'était Corbel. Out.